Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu en ce moment, il y a des trucs très intéressants par rapport au catalogue. C'est bizarre ça quand même, hein? Beaucoup de choses, hein? Donc du coup, on va revoir d'autres catalogues parce que j'en ai scanné pas mal. Donc du coup, le dernier coup, vous avez vu, je vous ai fait un truc. Et donc du coup, on va voir donc certains catalogues de qualité. Alors déjà, le petit Mazda Lenzi, qui est tout sympa, tout joli, qui est ici. Donc c'est la première fois de ma vie que je vois un catalogue Mazda Lenzi côte à côte. Donc c'est les deux, c'est une association des deux depuis longtemps, qui date de 2000. Voilà, donc du septembre 2000. Donc voilà, donc il a déjà 17 ans le catalogue. C'est déjà pas mal, donc on va découvrir le petit document. Qui va bien, donc je le recherche parce que j'en ai tellement fait plein depuis. Style Eurofan, Lenzi. Voilà, Mazda Lenzi. Voilà, parce qu'en fait, j'en ai fait une bonne paire. Là, on est en train d'en faire une bonne tripotée. Donc, du coup, je vais. Voilà. Voilà, donc, du coup, le petit catalogue qui va bien. Là, bien sûr, je l'ai scanné à plat. Mais il y a toujours le dos de la couverture qui fait un peu chier le monde. Donc voilà le beau petit catalogue Lenzi. Donc de toute beauté. Voilà donc le sommaire. Hein, bon, ça on va éviter. Alors il y a aussi la version anglaise. Anglaise dessus. Donc il y a français et anglais. Donc c'est impressionnant. Première fois que je vois. Donc il y a la Montmartre. La Montmartre numéro 1. La Richelieu. La Petite France. De Sartine, Trinité, Lavoisier, Saint-Tropez, bon, il y a les grands classiques, hein, avec Rue de la Paix, Tuileries, Alexandre III, Azur, Chenonceau et Caravelle. Donc, c'est les grands classiques de l'époque, hein, de 2000, hein, parce qu'après, il y en a eu des autres de changés. Donc, là, le Mazda, donc, la Montmartre 2000, donc, franchement, la Montmartre 2000, j'en ai vu pas beaucoup, à part dans un seul endroit. Chronique P66, donc, on pouvait l'avoir en plusieurs versions. Joli comme tout. Donc après la Richelieu. Donc là, donc la Richelieu, on voit le gars qui est juste à côté en bas. Le luminaire, mais ça va être un meuble le machin. C'est même plus un meuble le truc. Je sais même pas il fait combien de diamètres de hauteur sur. Hauteur, oh. Quasiment 1 mètre de haut. Ah ouais. Sur 722 le. Ben, c'est carrément un carré de 720 alors que même pas une Spacer 60, on va dire une Cosmolor 60 ou une Cosmolux 60, c'est un cube de 60. Et là c'est 720. Wesh, c'est impressionnant. C'est un sacré truc. C'est un sacré truc. Et en alu il fait 21 kg, mais en acier inox il fait 23 kg. Oh, le bazar. Donc les lanternes de façade, les grands classiques, hein. Les lanternes de Sartine, numéro 1 et numéro 2. Bon, je connaissais pas trop ce modèle-là, mais je l'aime bien. C'est un beau modèle. Après il y a la Trinité, voilà. Après il y a la Lavoisier, le connu. Hein, Lenzi ou Mazda Lavoisier. Voilà, donc avec les grosses choses. La Saint-Tropez. La rue de la Paix, Péristyle. Ou la rue de la Paix Péristyle résidence. Donc là, je ne sais pas c'est quoi qui est pareil. En fait, c'est la même chose. Je ne sais pas. Là, je ne sais rien. Ah, il y a peut-être une portée et une suspendue. Ok. Après, voilà. Donc, la Tuilerie. La Alexandre III. Et oui, c'est du Lenzi. Lenzi. Donc après voilà donc lanterne azur, ça je connais pas trop. Chenonceau, alors ça Lenzi Chenonceau, j'en ai vu, ça c'est machin là. La Caravelle, donc c'est un luminaire que j'aime bien, c'est joli. Les réalisations spéciales. Voilà donc là c'est le candélabre enfant, donc là c'est le candélabre enfant, donc là. Après, on a tous les candélabres. Bon, après, ça c'est sûr que là, c'est du tout de beauté. Après, on est. Ah! Le candélabre Valdonne.
Candélabre Vendôme. C'est celui qu'on a épinglé. Donc Saint-Germain, bouquet. Donc ça, c'est tous les bouquets qu'il y a dessus. Il y en a pas mal. Lenzi, candélabre acier, aluminium, à faire forger. Les consoles. Bon, il y a un peu de tout en fait. Là, c'est tout ça. C'est un peu le restant. Les consoles. Voilà, les consoles. Il y en a des jolies quand même, des consoles. Surtout des comme ça. Il y en a beaucoup que je connais. Après, ça m'étonnerait. Les grosses classiques. Donc là, c'est lanterne classique étant contemporaine. Donc là, Zephyr, la Eol, la Alizée. C'est des modèles par excellence des années 2000, puisqu'on l'a connu chez Mazda. Voilà. Donc, l'optique de Comet. L'optique STE, donc Philips. L'optique de Comet pour Mazda. Donc, il y a des trucs intéressants. Donc, après, il y a l'application spéciale qu'il y a dans une ville. Voilà, Lenzi. Voilà, fatigué. La fonderie. Donc là, la fonderie JHM Lenzi. Voilà. Donc un beau petit catalogue, franchement, ça fait plaisir. Donc oui, il date de 97, je crois, non. Celui-là, il date de je sais plus de quelle année, je crois c'est 2000. Oui, c'est 2000, je confonds avec le style Len, style Eurofan. Ah ben franchement, moi j'adore ce petit catalogue-là parce qu'il est vraiment pas mal. Eh ben franchement, voilà. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas dit récemment. Je ne l'ai pas dit. En fait, tous les catalogues seront disponibles. Donc seront disponibles, on va dire. Voilà, si je me mets comme ça. Ils seront disponibles. Oh, je vais pas me mettre comme ça, je vais me faire comme ça. Voilà. Alors tous les catalogues qui sont actuellement en discussion seront disponibles dans peu de temps. Hein. Donc je vais faire une razzia sur la schnouf. Il y a une dizaine de catalogues qui sera fait. Donc du coup on pourra mettre tous les catalogues d'un coup seul coup là, sur mon site. Donc vous verrez tout ça, ça sera rajouté bien sûr au moment voulu. Donc j'espère que vous avez plu. Donc le prochain peut-être que je vais me faire. Oh! Donc il y en a un qui va être pas mal. Donc ça sera le petit celui-là. Le Rani. Donc on va découvrir ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Et donc à la prochaine vidéo pour voir un nouveau catalogue. Bah oh, bah c'est pas faux. Hein.